Ici Jess Brod Fit pour la suite de mes transfos maison. Si t'as pas vu le premier vidéo, va voir. J'ai commencé à transformer ma cour extérieure et là, on a mis le paquet. On transforme la maison au grand complet, on la peinture. Si t'as pas vu la vidéo, comme je disais, notre maison elle est faite en CanExcel dans le temps, il y a plusieurs années. On a remarqué sur Google Street qu'elle était en CanExcel blanc avec des moulures Bourgogne et quelqu'un a volontairement peinturé cette maison jaune, moulure brune. Alors moi j'étais comme beaucoup tannée, fait que sur un coup de tête j'ai dit on repeinture la maison et c'est ça qui est ça. Alors voilà, on avait commencé à faire les moulures seulement, puis là ben, j'ai débordé, donc on repeinture les murs aussi. C'est tellement satisfaisant parce que là j'ai terminé. Mais vous allez voir, j'ai filmé ma journée au grand complet et je vous montre le avant-après. C'est capoté. Alors je vous montre le avant, puis je défile ma journée, puis à la fin de la vidéo vous verrez le après. Et je vais vous mettre également tous les produits qu'on a utilisés pour cette belle transformation. Hey! Alors, on est quelques jours suite à mon beau coup de tête de repeinturer la maison. J'ai mon ami Georges ici, qui est ici. Il est magnifique. Et la chambre en bordel de mon garçon. Avec sa décoration de Chip Pringle. Parce que c'est ça. Posez pas de questions. Alors, hier, moi, j'étais partie en journée activité avec ma communauté où je donnais des workouts et tout. J'étais partie pour la journée, puis mon chum, il a avancé la maison. C'est tellement beau! Ce qu'on a fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé un gun à peinture, genre, meilleure chose ever, ok? Je vais vous montrer ce qu'il a trouvé, puis ce que ça fait comme travail, là, genre... Ça sauve tellement de temps, ça n'a même pas rapport. Donc, conseil de fille qui peinture son extérieur de maison sur un coup de tête, ça va vraiment mieux avec un gun à peinture qu'au rouleau. Quoique, au rouleau, ça l'allait vraiment bien, là. Puis comme j'en ai fait beaucoup en pas tant longtemps, puis ça s'est super bien passé, là. Mais pour une fille comme moi, qui aime que toutes les choses aillent vraiment vite, puis que ça soit fini le plus vite possible, ben c'est encore mieux. Fait que je vous montre... ce qu'il a trouvé, là, si ça peut aider les gens. Alors voici. Là, on est à l'envers parce que je suis en mode selfie. Mais ça s'appelle True Coat 360 Paint Sprayer. Et il y a plusieurs façons ici de peinturer, ok? Il y a plusieurs trucs de pulvérisateur. Puis on voit ici mes lumières parce que je les ai pas raccrochées au plafond parce que la peinture sèche. C'est beau, hein? C'est propre. Ça, c'est mon cerveau qui est déconcentré. Tout va bien. Alors, le gun à peinture, ça faisait une couple de fois que quand on allait au Canadian Tire chercher notre peinture, mon chum, il regardait, tu sais, les guns, mais c'est quand même assez dispendieux. D'habitude, le gun, dans les moins chers, mettons, c'est comme les plus petits, c'est comme autour des 160$. Puis le gros, le folate, il est comme 450$. C'est celui-là. Fait que 9, il vaut 450 et il l'a trouvé sur Marketplace à 100$. Quelle chance on a eu, là, vraiment. Puis d'en louer, c'est autour dans les 150 environ. Fait que, tu sais, comme, ben, ou peut-être moins, mais ça valait pas tant la peine de louer. Puis là, ça n'a pas rapport, là. On a payé ça des peanuts pour ce que ça vaut, là. C'est vraiment le plus cher. Fait que, pour vrai, ça va vraiment super bien. Moi, je pensais qu'un gun à peinture, ça prenait une peinture spéciale, mais non. Tu sais, c'est vraiment ta peinture régulière que tu mets dans le galon, puis la machine a fait sa job là, de pulvériser, fait que c'est malade, là. Genre, il a fait la moitié du mur du côté en comme 5 minutes. Un coup de spray équivaut, je pense que c'est marqué, mais ça équivaut genre à 4 coups de rouleau. Ouais, c'est ça. C'est un coup de spray équivaut à 10 coups de pinceau ou 4 coups de rouleau. Ça n'a pas rapport, là, comment ça va vite, puis c'est malade. Fait que pour vrai, meilleur achat ever, puis avoir su
on l'aurait trouvé et acheté quand on a acheté la maison. Parce que nous autres, là, ça nous a pris 5 jours peinturer la maison grand complet. Alors, je disais avant que je reçoive un appel et que je dois terminer mon vidéo. C'est ça, donc avoir su, on l'aurait acheté parce que nous autres, ça nous avait pris 5 jours peinturer la maison grand complet. Puis on s'entend, j'ai pas juste une couleur que j'ai mis toute, là, t'sais, comme les gens, ils font beaucoup, genre, une couleur de blanc partout, là, du blanc Instagram, mais non. Puis nous, en plus, les couleurs qui étaient ici, c'était comme assez intense, là, genre... C'était pas mes choix, mettons. Fait qu'on a vraiment comme tout peinturé la maison grand complet, puis ça fait vraiment pris du temps. T'sais, on a eu les clés comme un mardi, puis mon déménageur arrivait le samedi. Bon, ça fait pas 5 jours, ça. Mais en tout cas. Puis, t'sais, on a fait ça du matin au soir non-stop avec de l'aide, là, puis ça finissait plus de finir, là. Genre, c'était incroyable comment c'était long. Puis moi, il n'y a pas question que ça soit pas fini comme avant. Parce que c'est sûr que dans la vie, si t'attends, tu le feras jamais, genre. Puis ça, c'était sûr que ça allait pas se faire avec moi, là. Donc, avoir su, j'aurais acheté vraiment le gun, là, pour, comme, pas se casser la tête. Vraiment, mais bon, la vie est faite qu'on l'a fait au pinceau puis au rouleau. Mais là, l'extérieur, ça va bien. Fait que je vous montre les petits détails, là. Je vais aller dehors préparer mes choses. Je vous montre qu'est-ce que ça donne avec le gun. Puis, je vous tiens au courant pour la suite. Alors, voici. On a comme la moitié de fait. Ça, c'est mon chum qui a fait ça hier. Fait que ça a vraiment pas été long. Fait qu'on voit un peu, là, ça spray ici. Mais c'était pas beau. Fait que je vais vous montrer de proche. Ça ressemble à quoi? La fiume et tout. Je vous montre ça. Donc, on voit quand même que la fiume, dépendant du vent, va aller comme sur les côtés. Même si mon chum, il y avait quand même un bâton en métal là, puis que je pourrais vous montrer plus tard avec des fois avec des cartons. Là, je pense qu'il a fait un peu moins attention ici parce que là, on s'est dit que pour l'air climatisé, on va juste la peinturer grise, fait que ça va passer comme incognito. Mais reste que c'est quand même assez difficile de gérer là, parce qu'on n'a pas tapé. Donc on voit ici là, tu sais, ça va sur le côté. Puis on voit ici le Canexel original qui était blanc, que nous autres, les gens, il est blanc. Les gens avaient peinturé la maison jaune. Puis nous autres, on met gris. Tout va bien. Alors, on voit vraiment là, que la fiume va venir comme sur les côtés. C'est sûr que d'avoir fait une job vraiment plus professional, on aurait tapé tout comme il faut. Puis on aurait mis du papier journal pour protéger. Mais là, regarde, hein, c'est pas nous autres, là, tout bas. Et si, mettons, je viens comme en avant. Alors, je vous montre la devanture de la maison. On l'avait commencé au rouleau, on se rappelle, au début de mon vidéo. J'avais fait au rouleau et pinceau, puis le haut, on attendait notre échelle pour le finir. Fait que mon chum est allé faire le découpage qui restait avec le gun. Ça fait vraiment un bel job parce que probablement qu'on n'aura même pas besoin de faire une deuxième couche. Avec le gun, c'est comme assez mieux. C'est assez mieux. Je vais vous montrer un peu le fume que ça fait, que va falloir qu'on refasse évidemment. Puis c'est sûr que pour faire une belle job, encore une fois, il aurait fallu taper puis mettre des choses pour protéger. On l'a pas fait. Je vous montre. Donc ça, c'est la partie que j'ai fait rouleau-pinceau. Et là, quand on va monter, voilà. Fait que ça, c'est la partie fume. Fait que ça, c'est fait avec le gun. Puis on voit là... À cause qu'il y avait beaucoup de vent hier soir, hier quand il l'a fait, ça l'a fait sur les moulures, puis ça l'a fait aussi dans notre soffit. Fait que c'est sûr que là, le soffit est un peu beaucoup beurré. On le voit ici aussi, là, parce qu'on ne l'a pas protégé, mais voilà. Puis au niveau de nos fenêtres, c'est sûr que pour faire une belle job, faut, dans la vie, il faut mettre... Oh, il y a beaucoup de soleil. Faut mettre du papier journal puis protéger, mais ça l'a pas taché rien. Il y a eu peut-être des petits picots, mais qu'on va laver. Là, ça reste de la peinture avec un petit Varsol ou de l'eau, ça va se laver. Fait que, voilà. Donc, je vais devoir probablement... ben non, je vais repeinturer quand même toutes les moulures noires pour faire vraiment une belle job propre, parce que là, sont tout tachés de gris, mais on voit déjà, là. Oh mon Dieu, je vais déjà mieux. Le résultat est malade, là. Ça va être tellement beau après avec la peinture toute peinturée. Vraiment, 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 wow! Puis aussi, comme le soffit, on l'a touché, puis comme
T'sais, on le peinturera pas parce que j'ai un ami qui est ferblantier dans la vie, puis il nous a dit, t'sais, ça va te coûter le même prix là, de juste changer le soffit. C'est vraiment pas cher versus si on le peinture, là. Fait que probablement peut-être qu'on pourra. Mon chum est pas au courant encore, là. Il va peut-être le savoir quand il va lire la vidéo. On pourra peut-être juste changer le soffit pour changer les parties qui sont peinturées. Mais j'ai tellement hâte de voir le résultat final, ça va être malade, puis c'est tellement de fierté parce que c'est nous autres qui le fait, puis ça va pas avoir coûté beaucoup de millions de dollars. Pause dîner. On est allé manger au resto ce matin, puis tu sais, comme là, il est midi et quelques, là, puis j'ai pas vraiment faim, mais je sais que j'aurai pas vraiment faim parce que je suis en train de m'occuper, puis que je travaille fort. Puis je me connais maintenant, puis je sais que si je suis très concentrée à une tâche, que je le fais et tout, j'oublie de manger, j'écoute plus mes signaux sont comme un peu embrouillés. Puis je passe tout droit, mais ça, c'est pas bon pour mon corps parce que mon corps a besoin vraiment d'être nourri sur une base régulière. Fait que je me suis fait un smoothie protéiné avec un restant de fruits congelés, de la poudre de protéines. Fait que ça, je suis en train de dîner en fin pratique, comme on appelle. Donc, je sais que je vais être correct pour faire le reste de ma journée. Puis de toute façon, ben, j'avais plus de peinture. J'attendais mon chum avec les nouveaux pots de peinture. Fait que je me suis dit, je prends ma fin pratique et je m'alimente. Malgré ma journée occupée, on voit que ça avance. Concernant la peinture, voici ce qu'on a pris. Ça, c'est pour le gris foncé qu'on a pris pour peinturer le CanExel jaune. Donc, on l'utilise en avant, puis sur toutes les trois murs. Voilà. Et c'est la même chose pour la peinture de briques qu'on a pris, mais c'est comme une autre base parce que la peinture était plus pâle. Alors, je vous la mets en photo pour le bon sens de la caméra. On vient de terminer la façade de la maison, genre. Hostie que c'est beau. Pour vrai, là, genre, je pense que ça fait une demi-heure qu'on a fini, puis je suis juste comme en train de la regarder. Puis je capote bien. Vraiment. Mais là, je suis vraiment brûlée, là, fait que ça a pris comme pas mal la journée juste faire la brique. Puis deuxième couche du gris et les moulures noires, les touch-up. Fait que là, je suis vraiment dead, là. Oh, j'ai mal au cou. Mais je vous montre vite, vite, là. Yeah! Évidemment, là, je vais vous montrer comme à la toute toute fin les vidéos avant, après. Vous allez capoter. C'est malade. C'est malade!